وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Mes chers frères et sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, si vous vous éloignez des grands péchés que nous vous avons interdits, nous vous effacerons vos fautes et nous vous ferons entrer dans une demeure honorable. Allah tabaraka wa ta'ala a donné la garantie à celui qui s'éloigne des grands péchés de lui pardonner ses péchés, ses petites fautes et de le faire entrer au paradis. D'ailleurs, Hudayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu, comme il est venu dans Sahih al-Bukhari, disait, j'avais l'habitude, tout le monde avait l'habitude de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien, et moi je lui demandais sur le mal pour ne pas tomber dans le mal. On apprend le mal pour s'en éloigner. On apprend qu'est-ce que sont les grands péchés pour ne pas tomber dedans. On apprend la bid'a pour s'en éloigner. Et c'est comme ça qu'on sera préservé, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, écartez-vous des sept péchés pernicieux, c'est-à-dire ceux qui vont te mener à ta perte. Al-Mu'biqat, Al-Mu'likat. Ils ont dit au messager d'Allah, quels sont-ils? Alors, voilà que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit le fait de donner un associé à Allah, la sorcellerie, tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée sans droit, manger injustement le bien de l'orphelin, manger l'argent de l'usure du riba, se sauver le jour du combat, et dénoncer, accuser à tort des femmes croyantes de fornication. Ce hadith n'est pas venu dire tous les grands péchés. Car comme Abdullah ibn Abbas a dit, quand on lui a demandé, ils sont au nombre de combien les grands péchés? Est-ce qu'ils sont au nombre de sept comme ils sont énoncés dans ce hadith? Mais non, Abdullah ibn Abbas il a dit, ils sont plus proches de 70. Que de sept. Puis il a dit, un grand péché ne reste pas quand quelqu'un demande pardon de sa faute. De même qu'un petit péché ne reste pas petit si quelqu'un le fait constamment. Et les savants, pour déterminer le grand péché, ont donné une définition. Ils ont dit, ce sont tous les péchés pour lesquels il y a une peine en ce moment, comme la fornication, comme le vol, comme le meurtre, ou bien il y a une mise en garde d'un châtiment ou d'une colère d'Allah dans l'au-delà, ou bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui fait ces péchés-là. C'est comme ça que l'on reconnaît un grand péché. Le plus grand des grands péchés, c'est le fait de donner un associé à Allah, alors qu'il t'a créé du néant. Le fait de se prosterner, de s'incliner, d'invoquer, d'appeler au secours, de sacrifier, de jurer par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Que ce soit un arbre, ou une pierre, ou un saint, ou un cheikh, ou un prophète, ou un ange, ou un démon, ou qui que ce soit, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit parmi ces actes. Que ce soit jurer, que ce soit invoquer, que ce soit sacrifier des maîtres pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est du shirk. Et Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde celui qui fait le shirk. Et il a dit dans le sens des versets, et il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui sont venus avant toi. Si tu donnes quelconque associé à Allah, tes actes seront annulés.
et tu seras parmi les perdants. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais il pardonne en dessous de ça à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. De même qu'il a dit, certes, celui qui donne des associés à Allah, Allah lui a interdit le paradis, wa ma'wahum nar. Et sa demeure sera le feu. Le shirk, il est de plusieurs sortes, on en a énoncé quelques sortes. Il y a un shirk aussi, un associationnisme et un polythéisme caché, comme le riya, l'ostentation, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ostentation, c'est plus caché qu'une fourmi noire sur une pierre noire. Tu le vois pas. C'est plus caché que les pas d'une fourmi. C'est moins perceptible que les pas d'une fourmi. Est-ce que tu entends les pas d'une fourmi? Alors l'ostentation, c'est comme ça, c'est caché. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith Qudusi, je suis celui qui me passe le plus d'avoir un associé. Celui qui fait un acte dans lequel il me donne un associé, je le laisse lui et son associé. Dans une autre version, c'est une version de Muslim, dans la version de Ibn Majah, qui est un hadith sahih, il dit, le début du hadith est le même, et à la fin il dit, et celui qui fait un acte pour autre que moi, dans lequel il m'a donné un associé, alors je me désavoue de cet acte, et cet acte il sera que pour l'associé, il ne sera pas pour moi. L'exemple de celui qui fait les actes par ostentation ou pour se faire voir devant les autres, c'est comme l'exemple de la personne qui va au marché avec un sac rempli de pierres. Quand il passe un sac dessous, tout le monde croit qu'il est rempli d'argent et d'or. Et il se vante devant tout le monde. Tout le monde dit « Oh, regardez tout l'argent qu'il a !» Mais quand il arrive devant le marchand pour payer, il n'est capable de payer quoi que ce soit. La seule chose qu'il aura gagnée, c'est que les gens ont parlé. De même, celui qui fait pour autre qu'Allah, il arrivera le jour du jugement dernier. La seule chose qu'il aura gagnée, c'est les paroles des gens. Et il va gagner à cause de ça l'enfer. Et ses actes, il les verra comme un amas de poussière éparpillée. Parmi les 7 péchés pernicieux, et qui te mène à la perte, il y a la sorcellerie, la magie. C'est le fait de faire des pactes ou des paroles ou des actes avec le shaitan qui ont un effet sur le cœur ou sur le corps. Ça peut même être la cause de ton faire tomber malade ou de tuer, de faire aimer deux personnes ou de faire séparer deux personnes. De même qu'il y a une sorte de sorcellerie qui a la magie, qui n'atteint que les yeux, même si en réalité il n'y a rien qui se passe. Tout cela c'est de la sorcellerie et c'est haram. Et c'est même du kufr. La majorité de ces actes sont du kufr. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de Harut et Marut, qui étaient en train d'enseigner la sorcellerie aux gens, ils n'enseignent à personne sans dire « Attention, nous sommes une tentation !» Une épreuve pour toi, alors ne sois pas mécréant. Et parmi les choses qui sont du shirk aussi qui rentrent dedans, c'est les amulettes. Le fait d'accrocher des amulettes à son cou, à son bras, à sa hanche, à ses pieds, que ce soit écrit des chiffres, des noms d'Allah ou du Coran, tout ça c'est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le recours à l'exorcisme, le port d'amulettes et l'usage de la tiwala, c'est du shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas différencié entre amulettes et amulettes. Il a rentré toutes les amulettes dans le shirk. De même que d'aller voir des devins, des voyants, c'est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vient voir un voyant ou un devin et qu'il croit dans ce qu'il dit, alors il aura mécru dans ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, 40 nuits, sa prière, elle ne sera pas acceptée. D'ailleurs, le fait d'aller voir aussi des astrologues, ou bien de lire l'astrologie, ça rentre dedans. Et c'est du sihr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait un acte parmi les actes de l'astrologie, alors il aura fait un acte parmi les actes de la sorcellerie. Et on a vu auparavant l'interdiction.
l'interdiction de la sorcellerie et le fait que c'était du shirk. Parmi les actes qui rentrent dans les sept grands péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé dans ce hadith, c'est le fait de tuer une âme innocente. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, surat al-Ma'ida, verset 32, quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il avait fait don de la vie à toute l'humanité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, la personne ne cesse d'être dans une largesse de sa religion tant qu'il n'a pas fait couler un sang interdit et sacré. Et la première chose sur laquelle on sera jugé entre les gens le jour du jugement dernier, c'est le sang qui a été coulé injustement. Le sang sacré en islam, il est de quatre sortes. Il y a quatre personnes, quatre catégories de personnes dont leur sang est sacré en islam. Premièrement, le musulman. Deuxièmement, le ad-dhimmi. Ad-dhimmi, c'est une personne mécréante qui vit dans un état musulman sous la direction des musulmans. Troisièmement, quelqu'un avec qui on a un pacte. Un pays musulman a un pacte avec son pays de paix, donc tu n'as pas le droit de le tuer. Quatrièmement, al-musta'man, celui à qui on a donné la sécurité. Si un musulman lui a donné la sécurité, la garantie d'entrer dans ce pays en sécurité, il est interdit à tous les musulmans de le toucher. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, celui qui tue une personne avec qui on a un pacte de paix, il ne sentira pas l'odeur du paradis, et pourtant son odeur se sent à plus de 40 années de distance. Parmi les sept péchés pernicieux qui sont la cause de la perte de quelqu'un, il y a le fait de manger et de voler l'argent des orphelins. Si Allah t'a donné la responsabilité de gens orphelins, crains Allah. Ne touche pas à leurs biens, à leur argent injustement. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ceux qui mangent l'argent des orphelins injustement, ils ne font que manger dans leur ventre du feu et ils brûleront en enfer. De même, un péché que tout le monde aujourd'hui s'est rendu licite, l'usure. Arriba, l'intérêt usuaire. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a déclaré la guerre à celui qui fait l'intérêt usuaire. Et il a dit, vous qui avez cru, craignez Allah et laissez ce qu'il reste comme intérêt usuaire si vous êtes vraiment croyant. Si vous ne le faites pas, alors je vous annonce une guerre d'Allah et de son messager. De même que dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, rapporté par l'imam Muslim, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit celui qui mange l'intérêt usuaire, celui qui le donne à manger, les deux témoins et celui qui écrit le contrat. Et il a dit, ils sont tous pareils, ils sont tous maudits. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'intérêt usuaire, c'est 70 portes, 70 degrés, son plus bas degré, c'est comme si quelqu'un forniquait avec sa propre mère en islam. Parmi les péchés pernicieux et qui amènent les gens à la perte, c'est le fait de se sauver le jour du combat des musulmans contre les mécréants. Celui qui tourne le dos ce jour-là, sans aller chercher du renfort, ou sans aller chercher des armes, alors, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, il فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Il aura sur lui une colère d'Allah et sa demeure sera la jahannam, l'enfer. Et quelle mauvaise demeure! Et parmi les péchés qui sont cités dans ce hadith, c'est le fait d'accuser les femmes croyantes, chastes, insouciantes, de fornication. La langue, juste avec la langue, quelqu'un il peut faire un péché parmi les péchés qui le mènent à la perte. La langue.
accusé une femme chaste qui a vu la fornication, ça fait partie des grands péchés. Et si tu es dans un pays qui pratique la législation islamique, tu mérites 80 coups de fouet pour ça si tu ne ramènes pas 4 démons. Et ça, il en est de même que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Dans ce verset ou dans ces hadiths, c'est la femme qui a été citée, car malheureusement, c'est celles qui sont les plus dénoncées à tort. Mais cette règle-là concerne l'homme et la femme. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب الفتن أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وقل رب زدني علما